journaliste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la zone Mon Garde-Mode de Place Rosemère. Merci. Cynthia, tu es la directrice générale de la CCITB. Peux-tu nous expliquer cet acronyme, va pourquoi et en quoi consistent tes journées, toi? Oui, en fait, CCITB, c'est un court acronyme pour dire Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Mes journées, de par la nature de mon travail à titre de directrice d'une chambre de commerce, c'est sûr que ce sont des journées remplies de rencontres avec des membres, des partenaires, des gens d'affaires, des gens du milieu politique. Tout ça dans le but de développer la région. Et évidemment, j'essaie de me garder le plus de temps possible avec les membres de mon équipe pour pouvoir échanger avec eux et soutenir leur travail. Est-ce que la venue de ton garçon a modifié tes habitudes de consommation et ou de magasinage? Ben, en fait, quand je suis arrivée dans la région en 2008, j'entrais sur le marché du travail. Alors là, j'étais à l'étape de me prendre garde-robe professionnelle. Et là, c'est la boutique Tristan qui m'a vraiment bien habillée pour cette entrée-là. Les années ont passé et j'ai connu les joies de la maternité il y a 2 ans. Alors évidemment, j'ai découvert d'autres types de boutiques, notamment la gamme de vêtements de maternité chez H&M. Ouais. La venue de mon garçon a fait que j'ai amplement magasiné chez Clément, ouais. Que ce soit pour les vêtements, les accessoires, les sièges auto, etc. Mais malgré tout ça, tout au long de ces années-là, mon coup de cœur cadeau de Noël, là, c'était vraiment chez Rudsac, hein, que ce soit les manteaux, les accessoires, les sacs à main. Ça a été vraiment mon coup de cœur cadeau de Noël. Ah, bon choix! Super parcours en plus! Aujourd'hui, mon style ou ce qui me démarque, c'est plutôt de dire que je vais choisir un morceau dans lequel je vais me sentir bel et bien. Évidemment, c'est sûr que je vais regarder sur Instagram les nouveaux looks, tout ça, mais... Vraiment, je vais focusser sur un morceau qui va m'avantager tout à fait. Ah, oh, c'est très sage comme façon. Mais en fait, Place Rosemère a vraiment suivi l'évolution de ma vie au cours des dernières années. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Autant je venais pour les défilés de mode, les conseils stylistes au départ, autant maintenant, ben, il y a les services au niveau de défilés de Noël, il y a la salle d'allaitement que j'ai beaucoup utilisée dans les dernières années. Donc, ce que j'aime, c'est qu'ils sont là, peu importe l'étape de ma vie. Pour finir ça en beauté, est-ce que ça te tente qu'on se prenne en selfie? Ben oui! Oui! Super! 3, 2, 1, on se place.